Hey, salut tout le monde, c'est Volcano et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Daily Light. Donc je suis toujours ravi de vous revoir sur ce... Bah vous revoir. De vous... Je sais pas comment on pourrait dire. La rue grouille d'infectés. De... Oula. Et tu en déduis quoi? Dégage de la rue, essaie de rester sur les toits, ils peuvent pas t'avoir. Spike, y en a plein autour de la voiture. T'as encore des pétards, non? Jette-en quelques-uns dans le tas. Ces crevards se laissent facilement distraire. Ok. Alors lancez les pétards, équipez-vous. Ok. Donc oui, comme je disais, je suis content de vous retrouver sur ce let's play parce que franchement, je vais les découvrir. Donc là, il n'est toujours pas en coop. Mais normalement, cet épisode va être le dernier en solo parce que normalement, la prologue va être terminée. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'il se barre un peu. Oula. On va se dépêcher de faire le truc. Hop. On active tout ceci. Et on court. Oula, je le sens mal. Mais c'est pas bien grave. Hop. On passe par là. Donc peut-être que l'épisode va durer plus longtemps que le dernier. Ok, il y a un mort-vivant là. Hop, on va le frapper. Je me suis fail. Ouh, on peut mettre un shoot, ça c'est bien. What? Il a totalement disparu. Ah ça, ça fait penser aussi à des Dislam. Donc peut-être que l'épisode, comme je vous disais, durera plus longtemps que les derniers. Parce que je vais tout simplement aller jusqu'à la fin de la prologue. Pour que le prochain épisode soit directement en coop. Et sinon pour le let's play, il va sortir en principe tous les... Ok, je voyais pas c'était quelle voiture qu'on devait activer. Oula. Vite. La voiture, je suis exactement en train de faire le fou. C'est pas bien grave. Le piège suivant n'est pas loin. Oula. Je devrais pas avoir à te le préciser, mais... On veut flipper lui. Pas choper à découvert. Spike, ces monstres sont partout. Mais comment il y en a partout. Pour utiliser un piège en cas de besoin. Tu peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Et merde. Ok. Ok. Par contre, par où on passe? Est-ce qu'on peut passer par là-bas? Maintenez pour réparer. On répare quoi en fait? On répare l'arme, ok. Donc oui, en fait, comme un des membres qui vont faire la vidéo avec nous m'a dit on peut réparer l'arme, mais qu'un certain nombre de fois après on peut plus, elle se casse. Donc ça c'est bon à savoir. Oula, j'étais pas sûr qu'on pouvait s'agroupir ici. Hop. Ok, c'est parfait. Alors là on est sur une autoroute. Ok. C'est quoi le bruit qu'on entend là? En fait lui, la map elle est vraiment grande quand même. Et tant que j'y pense, je tiens aussi à m'excuser pour le premier épisode. Parce que je pense que je l'avais dit dans le premier épisode, mais je suis pas sûr. C'est que j'avais un bug de micro. Attendez, cherche des ordures pour sauter. Là, il y en a, mais il y a un zombie. Bon, on teste. Ouh. Je me suis trompé de touche. Alors, sauter dans des ordures, ouais. En fait, j'ai voulu appuyer sur croix pour sauter, mais... J'ai appuyé sur R. Ouais, j'ai voulu utiliser R1, mais en fait, j'ai appuyé sur quoi? Bon, c'est pas bien grave en soi. Et comme je vous disais, j'avais un bug de micro en fait. Donc là, je l'ai réglé en principe. Mais je tiens quand même à m'excuser parce que ça devait être sûrement agaçant. Bah, d'après ce que j'ai vu dans le rendu, c'était agaçant, donc. Je tiens tout de même à m'excuser. Niveau d'agilité augmenté. On augmentera ça après. Hop. Bon, par contre, je suis mort vraiment comme une merde, on peut le dire. Parce que je voulais atterrir là, mais je me suis trompé de touche. Hop. On fracasse 2-3 zombies en passant. Ouh. On m'a fait flipper.
En fait, je vois actuellement pas par où on peut monter. Donc on va passer par ici. Ah bah en fait c'est par ici. Hop. Est-ce qu'on doit suivre ce chemin ou on doit faire autre chose? On doit suivre ce chemin. Trois fois plus lumineuse qu'un lampadaire. De quoi donner de bons coups de soleil aux infectés. Ok. Ici, crochetage. Oula, c'est quoi ça? Pour crocheter une serrure, déplacer le crochet avec L. avec L, excusez-moi. Et faites tourner le tournevis avec R. Pour ouvrir si le... Attendez, excusez-moi. Ma voix bug un peu. Si le crochet se met à vibrer, il peut casser. Ne forcez pas à appuyer sur rond pour continuer. Ok. Alors, si j'ai compris. On va faire ça. Ok. Ok. J'ai plus de crochet, c'est super. Bon, je pense qu'on s'y habituera un peu plus après, parce que là, j'ai pas du tout compris en fait ce qu'il fallait faire. Oula. Ouh, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il y a des zombies sur les toits, là? Hop. Ah, franchement, c'est bien de mettre des shoots, j'aime bien ça. Ouh. Par contre, ça, j'ai pas confiance. Au revoir. Ok, donc on peut... On peut les faire exploser en appuyant sur... Non, juste en frappant dessus. Moi, je crois qu'il fallait tirer dessus, mais... Bon, par contre, on a encore beaucoup de pièges activés, d'après ce que je vois. Et on entend beaucoup plus de zombies qu'avant. Donc, ça promet. Alors... Ici. On va passer par là. Et on va regarder si on peut pas passer quelque part. Exemple, ici. Par contre, je me demande s'il y a aussi des infectés comme dans Dead Island, parce que vu les bruits que j'entends, ça me fait penser à eux. Hop, un autre piège activé. Ah non, on va passer par ici. Bon, ici, on n'a pas vraiment d'endroit pour grimper. Un tout petit peu, mais bon, pas beaucoup. Hop. Oula, c'est quoi tous ces zombies? Le piège, par contre, comment on l'active? On peut monter comme ça. A priori, non. Mais je vois pas trop. Ah, si, peut-être, ok. Ok, alors en fait, on va devoir faire du parcours, mais vraiment à l'état brut. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Donc, alors maintenant. Pour s'agripper de là, là, c'est pas que je le sens mal, mais bon, un peu. On va quand même tester, on sait jamais. Hop. Oula. J'ai cru qu'on allait rater. Hop. Ok, les lampes sont activées. Un autre levier d'activer. Ah, il n'y en a pas encore un autre. On voit que ça commence à être la nuit en plus. Alors, réparer le piège suivant. Ok. Bon, là, on va courir près des zombies, on s'en fiche. Hop. Il y en a vraiment beaucoup, en fait. Ici. Oula. Je suis en train de jouer au fou. Hop. On l'active. Oula. C'est quoi toute l'électricité, là? Putain, Spike, tout le quartier est dans le noir. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ah, pas encore. Ok. Bon, écoute, il y a un poste électrique tout près de toi. Va y jeter un œil. Ok, alors il est où? Il est vers là-bas. Hop. De ce côté, ça a l'air calme. La coupure de courant nous a mis dans le pétrin. On est plus protégés ici. Et les zones sécurisées, ainsi que certains de mes pièges, sont HS aussi. Il faut remettre le courant au plus vite. Et je me demande s'il peut y avoir aussi des zombies dans l'eau. Ça se pourrait aussi. Alors... Est-ce qu'il y a des zombies? Bon, a priori, c'est ici. What? C'est quoi ça? What? C'est quoi ça? What? On dirait un assassin de Disland. Hop. Oh!
Depuis quand les zombies ça se frappe ça frappe avec des trucs. Hop. Oh, il fait mal. Bon, j'en ai aucune idée en plus de comment on soigne. Hop. Tiens, il y a un pétard là-bas. Hop. 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 Oula. Il n'y a plus d'endurance, donc on va... Ouh, il y a un autre zombie en plus qui est venu. C'est super bien. Est-ce qu'on peut faire exploser ça? Tiens, frappe dessus, non? Ouh. Oh. Le bruit a attiré l'attention de je sais pas quoi, ok. Bon, j'ai réussi à le faire exploser comme je voulais, mais il est pas encore mort. Bon, par contre, c'est pas que je veux pas le tuer, mais bon. Je sais pas ce que je fais, je suis en train de faire le fou. Hop. On va pas l'activer, non? Parce qu'on dirait, on dirait pas qu'il veut mourir. Hop. Ouh, j'aime pas ça, c'est dangereux. Des autres zombies qui tournent tout autour de nous, j'aime pas ça. Bon, je vais vite faire regarder avec ce... Non, c'est pas ça, si c'est ça l'inventaire. Est-ce qu'il n'y a pas une arme qu'on peut prendre ou quelque chose comme ça? Pied à table, tuyau de gaz. Comment on crée? Plan. Mode taser. Il nous faut quoi? Long couteau, on n'a pas de couteau. Des soins, on en a. On a des shurikens, ok. Les compétences, vite fait. Il y a quoi qu'on a augmenté au yellow? Alors, esquive. Esquive les attaques en sautant en arrière ou sur le côté. Déplacez-vous sur la direction souhaitée et appuyez sur R1 pour exécuter cette action. Ok. Donc, on va débloquer cette compétence. On va débloquer celle-ci qui est étourdissement. Apprenez à attaquer avec une grande précision. Chaque coup porté sur, avec une arme contendante à la tête d'un ennemi a une chance de l'étourdir. Ok. Donc, on va mettre ça. Par contre, pour les armes. Attendez. Alors, on va voir. Donc, on va équiper. Non. Comment on change d'arme? J'en ai aucune idée. Bon, je sais pas. Bon, vous savez quoi? On va pas le tuer. Ah. Parce que c'est pas que c'est galère, mais bon. Comment ça croupit déjà? C'est rond. Ouais, c'est rond. Hop. Réparer, ouais, ok, si tu veux. Alors, est-ce que c'est dans l'électricité? Croix. Hop. Oui, c'est ici. Parfait. Bon, le poste est relancé. Voilà. Si le réseau a déjà grillé une fois, tu sais que ça peut se reproduire. Est-ce qu'il est mort, lui? Ouais. Crocheté nécessaire, ok. Plan coupe marin. Ok, bon, on va prendre tout ce qu'on peut, tant qu'à faire. Et on va vite s'enfuir parce que vu le monstre, moi je vais l'appeler l'assassin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, parce que dans Dead Island, ça s'appelle un assassin. Mais il fait vraiment masse de dégâts. Oula, qu'est-ce qu'ils font là? Ok, j'ai cru qu'il s'était relevé lui. On va acheter un pétard vers là-bas. On va la frapper. Hop. Et on va vite rusher pour sortir. Parce que c'est dangereux ici. En plus, je commence à faire noir. Et c'est pas que j'aime pas trop ça, mais juste un peu. Alors. Hop. Oula. Ça a l'air dangereux la nuit, mais bon. Voilà. En plus, d'après ce qu'on m'a dit, c'est dangereux la nuit. Donc ça va être marrant. Hop. On les brain, on s'en fiche. Parce qu'on voit tous les nombres de zombies, on va pas tous les affronter parce que sinon on aura pas fini d'ici demain. Oula, c'est quoi tout ça?
Hop, on court. Pourquoi c'est quoi le petit truc vert là? Ah, c'est le piège. Autant pour moi. Pourquoi tu es en train de faire le fou là en fait? Et je sais absolument pas où je dois aller. Ok. Par contre, comment on y rentre ici? Par ici. Ok, zone sécurité. Sécurisée du moins atteinte. Oula, c'est quoi ça? Ok. C'est quoi ce truc? Doc, c'est Kyle Crane. Crane, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je viens de voir un zombie super bizarre, couvert de grosses pustules vertes. Il s'est tiré dès qu'il m'a vu. Ça me dit quelque chose? J'ai bien peur de ne pas avoir assez d'informations. Si jamais tu en croises un autre, tiens-moi au courant, tu veux? Ok. En plus, on dort ici alors que quelqu'un a été enfermé ici et s'est fait bouffer. Donc, c'est pas super rassurant. Donc, alors, on va dormir. Normalement, la prologue va se terminer dans pas longtemps, d'après ce qu'on m'a dit. Tu es réveillé. Il y a un problème. Il faut qu'on parle. 10 heures plus tard. Donne-moi une minute. C'est quoi ça? Choisissez votre expérience. Day in Light. Vous avez fini le prologue. Vous êtes prêt à survivre à Day in Light. Les invasions, coopérations, compétitions et chasses nocturnes sont activées. Ok. Bon, on va se mettre en mode en ligne. On va rien faire. Et on va s'arrêter ici parce que je vous avais dit qu'on allait finir le prologue. Donc en fait, l'épisode n'aura pas été plus long. Il aura juste été plus court. C'est pas très grave en soi. De toute façon, vous aurez un épisode, de, comme je vous ai dit, tous les 2 jours, donc ça devrait être relativement compliqué les choses, on va dire. Et sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, bah, comme d'habitude, mettez un j'aime, commentez, abonnez-vous, partagez, si c'est pas le cas, ne le faites pas, ou bien commentez pour expliquer pourquoi. Et je tiens aussi à m'excuser vite fait pour cet épisode, parce que peut-être que vous avez entendu mes parents m'appeler, comme d'habitude, pour ne pas changer. Et sur ce, moi je vous dis à plus.